Jonah ? On est en bas ! Hey. T'es déjà allé là-dedans ? Non, on t'attendait. Qu'est-ce qu'on va trouver, à ton avis ? La fresque montrait une série d'épreuves. Je connais peut-être un autre passage. Ok, je passe devant, on se retrouve de l'autre côté. Jonah, j'ai débouché dans une sorte de caverne. Il y a des signes de passage ici. Jonah ? Jonah ? Si tu m'entends, je suis encore sur la voie. L'épreuve de l'araignée. Je vais essayer de monter. Incroyable. Jonah, je suis à l'épreuve d'après, l'aigle.
Je crois que ça a un rapport avec le vent. Je vais toujours vers l'ouest. Ça descend, là. Il y a une rivière souterraine. Toujours debout après des siècles de séismes et de tempêtes. Il y aurait une échelle si j'étais sur la bonne voie. Ça a l'air prometteur. C'est bon. Je peux pas encore grimper. D'autres voiles. C'était moins une. Ça pourrait marcher. Oui, ça va tenir. L'échelle devrait tourner. Oh, faut que je trouve un autre moyen de monter. Thank you.
encore un effort. Huracan, un face-à-face dans un temple bâti en ton honneur. Attention. Jonah, j'ai réussi l'épreuve de l'aigle. Je dois plus être très loin de la cité perdue. Jonah, la vue est fantastique ici. La cité perdue doit être tout près. Lara, j'ai réussi. Je te rejoins bientôt. Jonah ? Merde. Attention. Oh, non ! Je peux pas rester là. Ça va s'écrouler. Oh, c'était chaud. Ok, alors. Jonah, je crois que je l'ai trouvé, la cité perdue. Je pars à la recherche du serpent avec un œil d'argent.
qui est là. Ça va? Je peux vous aider. Va-t'en! T'as rien à faire là! Écoute, je sais que ça fait mal, mais... Mabutul! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais... des recherches. Lara Croft. Ils vont revenir. Nous devons nous cacher. Emmenez-la. Tu n'es pas seulement mon fils, tu es mon héritier. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Sans ton imprudence, cette femme serait-elle ici? Mais tu es sain et sauf. Si tu n'es pas du culte, comment nous as-tu trouvés? J'ai trouvé une carte dans un temple. Je m'attendais à des ruines, pas des gens, ni rien de tout ça. Le culte, pourquoi s'en prendre à votre fils? Je reconnais cet emblème, c'est celui des Trinitaires. J'essaie de les arrêter. Tu sais ce qu'ils cherchent à faire? Ils veulent trouver un artefact. C'est une sorte de boîte liée à la déesse de la Lune. Qu'est-ce que tu vas faire? La voler? La vendre? Non. Je dois empêcher les Trinitaires, le culte, de s'en emparer. Ils sont trop dangereux. Pourquoi? Pourquoi tu les détestes? Ils ont tué mon père. Est-ce que je peux vous montrer ceci? Vous savez ce que c'est? C'est Paititi. Et tu y es. Paititi, la cité perdue. Et cet œil alors? C'est un lieu de mort et de sacrifice. Tu penses que ton artefact est là? Oui. Personne n'en est jamais revenu. Je veux bien essayer. Tu prendrais ce risque pour arrêter le culte? Oui. Amenez-le. Jonah. Est-ce que ça va? Tu connais cet homme? C'est mon ami. Et Abby? Ça va. Qui d'autre te cherche? Personne d'autre. Je crois que nous cherchons la même chose. Nous t'amènerons au serpent à l'œil d'argent, mais ton ami reste ici. Tu n'iras pas bien loin si tu nous mens. Et lui, il regrettera. C'est vraiment pas nécessaire. Ça va aller. Je t'attends. Etsli. Donne des habits à cette femme. Ushu,
Tiens-lui compagnie. Je fais aussi vite que possible. Ok. C'est très beau ici. Silence. Disons juste que je connais pas votre nom. Pardonne-moi. En tant que chef des rebelles, je me dois d'être prudente. Je suis la reine légitime, Unuratu. Etsli, j'attends toujours ton rapport. Oui, mère. J'ai vu quelque chose ce matin. Oui ? J'ai vu Akan qui discutait avec son voisin. Il avait l'air en colère. En me voyant approcher, ils ont arrêté de parler. Et puis ils se sont mis à rire comme s'ils plaisantaient. Ils préparent quelque chose. Bon travail. Merci, mère. Hey. Salut. Comme tu peux le voir, rien n'est secret très longtemps à Paititi. S'il te venait à l'idée de dévier du plan... Vous le sauriez tout de suite. Je comprends. Elle est ici pour m'aider à retrouver quelque chose que j'ai perdu. Ne t'inquiète pas pour ça. Est-ce que mon père était aussi éclaireur à mon âge ? Il était chasseur. Est-ce qu'il était féroce ? À l'occasion. Mais il était surtout très bon. Wally, tu es là. Promène-toi si tu veux. Quand tu seras prête à retrouver la boîte d'Ichel, retrouve-moi au marché de l'autre côté de la rivière. Mais je l'ai vu. Il les a. Ça suffit, Taki. Tu as perdu tes dés, soit. Mais ne viens pas mentir. Le culte a doublé la garde. Pourquoi ? À cause des tempêtes. En quoi la garde pourrait empêcher une tempête ? Je t'expliquerai plus tard. Splendide. Bonjour. On trouve de tout au marché. Etsli ? Je doute que ce soit le premier marché qu'elle visite. À l'extérieur ? Oui. Mais le nôtre, c'est le meilleur. Nous ne sommes plus très loin. Akan ! Qu'est-ce qui se passe ? Des fous. Ils guettent l'apparition de leur dieu. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu ? Le sacrifice est mon devoir. Mais le chef du culte veut prendre ma place pour devenir ce dieu. Il croit pouvoir refaire le monde pour nous faire vivre dans son propre paradis. Refaire le monde ? Ça me rappelle quelque chose. Le voilà! Je le connais. C'est le docteur Dominguez. Regardez! L'instrument de notre unité et de notre salut! Bientôt!
Nos rêves de sécurité et de paix seront exaucés. Il l'appelle déjà Kukulkan. Mais son vrai nom est Amaru. Il est né ici. Mais il a grandi auprès d'étrangers. Les gens lui font confiance. Mais pas vous. Mon mari, Sahiri, était son frère. Il n'était pas d'accord sur l'avenir de Paititi. Mais Sahiri est mort, et Amaru s'est dévoué au culte. Vous avez vu la tempête. Et vous craignez ce qui pourrait suivre. Je vous promets que Paititi va bien survivre. Et elle sera prospère. Je le connais bien. Si Amaru réussit, ceux qui contestent son pouvoir ne verront jamais ce paradis. Les rebelles seront écartés. Sauf s'ils ne trouvent pas la boîte. Oui. Nous devons la trouver avant lui. Peut-être qu'Amaru pourra encore trouver l'amour et la raison. Mort aux envahisseurs ! Le châtiment viendra ! Akan, assez ! Nous devons frapper tant que le serpent est à portée. Nous obtiendrons bientôt justice. Je t'interdis de mettre en péril notre rébellion. Etzli, pars devant. On se retrouve au bord de la montagne. C'est la dernière fois. Va-t'en. Suis Etzli. Ta tenue ne trompera pas longtemps ses gardes. Promis, je trouverai la boîte. Tu devais garantir la paix. Je faisais juste une balade avec mon fils. Amaru commence à s'impatienter. Ça n'arrivera plus. Jonah, tu me reçois ? Ouais, on a installé un camp avec Ushu, tout va bien. Dominguez est ici. Il est à la tête du culte de Kukulkan. C'est contre eux que les rebelles d'Unuratu se battent. Hein ? Il est là depuis des années. Les Trinitaires contrôlent Paititi. Je vais rejoindre l'œil du serpent. On doit trouver la boîte avant le prochain cataclysme. Je ne vois pas ce qui aurait pu me préparer au choc de cet endroit. Les habitants, leur histoire, tout ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont aujourd'hui. À l'écouter parler, Amaru, alias Dominguez, alias Kukulkan, ne cherche qu'à protéger Paititi. Mais j'ai vu tout ce qu'il est capable de faire. Tuer, torturer. Je dois l'arrêter. Où est ma mère ? Elle fait ce qu'elle peut pour réconcilier les gardes et Akan. Comment c'est hors de Paititi ? Disons que c'est varié. Le monde est très vaste. Plus que Paititi ? Plus qu'une centaine de Paititi. C'est vrai ? Tu veux bien m'emmener ? Je suis pas sûre que ta mère soit vraiment d'accord. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Comment je saurais que j'ai trouvé la bonne salle ? Fie-toi à l'odeur de mort.
Si tu survis, tu pourras revenir en suivant l'ancien système d'irrigation. On se retrouve là-bas. Sois prudente. Le culte fait beaucoup de patrouilles. Ok, alors... Il faut entrer. Oh. Quelle odeur! Ça doit être l'endroit dont parlait Edsley. Tout doux, surtout, tout doux. Je vais pas tenir. Doucement. Je vais y arriver. Génial. J'ai pas le choix, on dirait. Ya bukin chili,
Est-ce que c'est un rebelle? Un serpent avec un œil d'argent. Je suis sur la bonne piste. Oui, il faut entrer. L'odeur est de plus en plus forte. Lara, comment ça va? Jonah, j'ai trouvé un autre serpent avec un œil d'argent. Je suis sûrement pas loin. Je parle tatouage avec Ushu. Tatouage? Oui. T'as vu ceux de Nouratu, non? On peut voir un héron et une éclipse. Ça a peut-être un rapport avec la boîte d'argent. Non, je crois pas. Bon, pas qu'on faut y aller. C'est plein d'huile et de sang. Cette flaque est peut-être inflammable. Là. La barrière est baissée. Je dois pas m'arrêter. Ce serait une sorte de réservoir de sang. Il faudrait des centaines de sacrifices pour réussir à remplir ces canaux de sang. Voilà. Maintenant, abaissons cette barrière. Reste plus qu'à trouver la boîte. C'est sûrement ce que cherchent les Trinitaires.
c'est le petit prince rebelle. Etsli ! Par ici, attrapez-la ! Salut Lara, si t'as le temps, reviens. Ushu a un truc à te demander. Je crois que c'est un service. Ok, je vais revenir vous voir dès que je pourrai. Chambelil, Chambelil. Pinatilie, Kushuma. Unuratu, Etsli s'est fait prendre. Je sais. Ils le retiennent dans la caserne. Nous cherchons un moyen de le sauver. J'ai tout essayé, je suis désolée. C'est un guerrier. C'est quoi ? C'est une clé. On dirait qu'elle a un rapport avec le temple de la montagne. C'est tout près de l'endroit où ils le retiennent. Si la boîte d'Ichel a un lien avec la caserne, c'est pour ça que le culte s'est installé au temple. C'est imprenable. Pour y entrer, il faut être discret, silencieux. Il y a un passage ? J'en connais un, près des mines de sel, mais c'est en très mauvais état, très dangereux. Je peux peut-être y arriver. Peut-être. Tu as survécu à la fosse du sacrifice ? Je n'y suis pas retournée depuis mon enfance. Mais si j'en crois mes souvenirs, la caserne est dans une forteresse intérieure. Si j'arrive à passer par là, je ferai de la place pour vous faire entrer. On retrouve Etsli, et puis ensuite la boîte. Je m'occupe de mon fils. Je te laisse la boîte. Jonah, je crois que j'approche de l'entrée de la mine. Ushu dit que c'est au bord de la montagne. Il a envoyé un rebelle pour l'ouvrir. Merci. J'y suis. Ah.
discrètement. Kuhelani, tulakas tuushan, telumo, teiko, taktehao kawujik, bei, tanukimi junki, mushanta, yanusata liyokul kaba, masahabiti, tachtani fat. J'y suis. Mon Uratu vient de partir avec Akan. Elle attend que tu ouvres la porte. Kakle, Janu Jantala Suktal Jetel Ukil El Kiko. Walkila, Shena Choabah. Malo bin Lak. Je suis sur la bonne voie. Attention. Eshipalchuko, so okwautan. Tak belama. Mauka tuyal, tuskutaki kuba, le kushul makobo. Waksahola le nono. La lingwili le max meti globo! Dice es jete chakponi! Je crois que c'est là. Voilà la porte que je dois ouvrir. Ubin katbil jola lelo. Kimesesh tula kalbash kupek. Tukaba kukulgan. Arishul sal tula kal. Janin impactik ba ash. Maintenant, je dois ouvrir cette porte.
Kunduni Shokol, Kalampil. Non, merde! Mushu, fais-le sortir de là! Jonah. Comment va Edsley? Ça va, ils l'ont libéré. Mais Onura Tu a été capturé. Oh non. Et toi, ça va? Ouais. Je pars chercher la boîte. Je sais pas quand je reviendrai. Fais ce que tu dois faire. Merci. L'œil du serpent. C'est bien lui. Faut y aller. On dirait qu'il y a un temple un peu plus bas. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Qui a bien pu faire ça ? C'est pas Maya ni Inca. C'est où ? Là-haut.
C'est seulement un bruit. Ça doit être les soldats des Trinitaires qui ont disparu. À cause de moi, ils tiennent Unuratu. Qu'est-ce que Dominguez va lui faire? Tant qu'il aura besoin de la boîte, elle restera en vie. J'espère. Bien comme ça.
je bouge. C'est parti. Quoi derrière cette porte ? Voilà. Thank you.
Enfin, on avance. Voilà, j'y suis presque. Oui. Mais il sort d'où comme ça? Ça se présente bien. Thank you.
sont pas entrés. Ces silhouettes, on dirait ces créatures, mais elles sont magnifiques. Yashil, déesse de la protection. La boîte d'argent d'Ishel fut forgée au paradis et portée sur terre. La boîte vient de ces créatures. Ni les faux dieux, ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattu comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. Là! C'est forcément là! C'est un héron, comme les tatouages de Noratu. Mais où est la boîte ? Non, une secousse. Ça y est, j'ai réussi.
peux m'en servir pour grimper hors d'ici. Oui. J'ai pas assez de place pour ça. Sauter. J'ai pas le choix.
m'entends? Je suis là. On n'est pas chez Onuratu. On est dans une grotte pas loin. Il y a un héron et une éclipse à l'entrée. Ok, j'arrive. Tu pourrais peut-être nous couvrir. Tu l'as ? C'était un piège. Ils ont pris la boîte et... Onuratu a été capturé. Ouais, on est au courant. On est en train de réfléchir à un plan. Elle se trouve dans la prison près du vieux temple. Akane y est allé. Mais ils l'ont eu aussi. On va attaquer le pont qui mène à la prison. C'est trop agressif. Et si je grimpais ici ? Je la libère et je donne le signal pour l'assaut. Ça peut le faire. Edsley est en train de fouiller le temple du quartier supérieur. Il va te trouver un chemin. Je vais aller lui parler. Les renforts seront là quand tu l'auras retrouvé. Parfait. Puissance et sécurité. Merci beaucoup. Lara. Je vais la retrouver. Je sais. Vraiment, tu crois à ça ?